À ton avis, est-ce que c'est l'électrique ou la thermique qui est la plus performante sur un terrain de cross? Alors c'est dans cette vidéo hein. C'est parti, place au test. Allez c'est parti, t'es prêt? Vas-y. Yep, allez première, je donne le départ. 3, 2, 1, go. Sûr, mais... Ah la première elle a pas aimé hein. Ah là j'étais en première j'étais atomisé hein. Ah bah là je crois on se refait un deuxième test mais... En vrai elle a beaucoup plus de pêche à l'accélération donc normalement c'est logique que je le trace. Alors que lui il est beaucoup plus lent sur le démarrage par contre sur la longueur il y a moyen qu'il le trace. Ah de toute façon hein, l'électrique c'est ça hein. On connaît l'électrique, sa puissance. Moi je vais y aller. Ah ah, pas loin, pas loin. Sur la longueur j'aurais pu l'avoir. Moi ouais, le départ il était catastrophique. C'est un truc bizarre, t'as burné non? J'ai lancé, il y a eu comme ça a comme coupé un petit moment hein. Et en fait moi je me suis fait surprendre. Et comme j'étais à fond de gaz, après je me suis fait surprendre. Peut-être patiner, c'est reparti. Et après tu m'as retracé. J'ai pas mentir, je me suis un peu coincé les roubignoles. On échange? Vas-y. On fait un test. Ça dit quoi le petit essai? Ah ça va, juste avant prendre un peu les bases, mais en vrai maintenant ça j'ai. Riders ready. 3, 2, 1, let's go. Facile. Bon je te laisse une deuxième chance. Il n'y a pas à dire l'électrique, ben voilà. C'est vrai que moi je suis plus à l'aise sur l'électrique. Je suis plus à l'aise sur l'électrique aussi. Plus à l'aise sur l'électrique. Ah ouais, c'est vrai que vu qu'elle est plus légère, t'as pas le bruit, tu te dis, allez vas-y, je peux y aller quoi. On passe maintenant au dernier défi, le saut en longueur. Un concours de distance. La barre ici permettra 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres. Un peu trop loin là la distance. Je sais pas. J'ai pas demandé le pilote, j'ai demandé la moto. Si je me lance de la moto en avant, ouais. Ça compte combien? C'est bon, tu jettes la moto, c'est passé hein. Ah. Non, je vais plutôt me lancer moi que la moto vu le prix. Bah, à savoir, soyez indulgents dans les commentaires hein. C'est la première fois qu'ils testent la moto. Enfin, pas la moto, mais la Rerod et la Kayo. Donc bon, forcément, il part avec un handicap déjà. Easy là. Allez, je vais essayer de lui gratter la thermique pour voir. Allez, premier saut. Waouh, ça soulève des fesses hein. Allez, maintenant qu'on a practice. Du coup, toi électrique et moi thermique pour commencer. On se met 1 mètre, ça te va? Vas-y. Donc là, hop, 1 mètre. Vas-y, tu commences? Vas-y, je commence. Let's go les gars. C'est la toute première. Oui, validé. Allez, Aurel, et juste là, on le voit juste tout petit. Oh, let's go. Il est large. Ouais, c'est l'échauffement ça. Là, t'étais un bon 50 cm plus loin. On a de la marge, ah, ouais. À 2 mètres. Allez les gars, on est parti pour 2 mètres. On va voir. Le premier était bien passé. Alors si le 2 mètres il passe, allez let's go. Allez, détendu. Oui. Ouais, c'est atterri là. Ça va, j'avais tout calculé, je me suis dit, faut que je tombe juste après le truc. Ça passe, ça passe. Allez à toi. Allez, 2 mètres avec la thermique. Je pars pas trop vite. Je vais accélérer dans le tremplin. Là j'accélère. Ouais. Ouais, ça talonne déjà la moto là. Je crois que les amortos ça va prendre. Hein. Ça enchaîne direct. On passe aux 3 mètres là.
Oh là 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 là, là ça va commencer à être un vrai saut là. Doucement et t'accélères sur le tremplin. Ça sert à rien de partir comme une balle. Regarde, et là. Non, c'est trop loin, c'est trop loin. Tu subis trop là, tu plies les jambes dans le tremplin là. Du coup ça te fait une raquette de la mort. Je me dis, c'est tellement loin que je me concentre sur le truc. Ah ouais. Je me concentre pas juste à faire le saut. Tu plies les jambes pour amortir le tremplin et du coup ça te fait une raquette en fait, de la j'ai mort. Trop les réflexes du VTT, c'est horrible. Bon, t'auras fait 2 mètres. Ouais. Est-ce que les 3 mètres vont passer avec la thermique? Ah ah, est-ce que ça met. Il y a un petit bout de bois donc. Non, mais t'inquiète. Allez, moi j'ai pas fait encore. 3 mètres avec la thermique sur le gros tremplin, on va voir que ça passe. Allez, saut 3 mètres avec la thermique. Je pense que ça va passer. On va y aller tranquille. Wouah, c'était sur l'arrière. Voilà, je suis allé un peu sur l'arrière, mais c'est passé, hein, je crois. Ça a pas touché, hein. Là, je suis arrivé là, non, jamais de la vie. En fait, t'as été vachement en arrière. Ah, mais oui, c'est ce que j'ai dit. Et je me suis fait peur, hein. J'étais en mode film Batman, là. Hein. Et là, t'as clairement un mètre de plus, hein. Ah, ouais, putain, j'ai l'impression que j'étais à côté. Bah, vas-y, vas-y, 4 mètres, hein. Vas-y. Ah, je vais mourir, là. Je flippe, là. Ça passe! Appelez-moi Spider-Man! Bah, mais 5 mètres, je vais mourir, les gars. Il va me le demander, les 5 mètres. Je le connais, regardez. Il va me dire, 5 mètres maintenant. 5 mètres maintenant. Bah, là, par contre, à mon avis, la marque était pas loin. Non, en vrai, t'as été entre ça et ça, t'as été super lent. Ok. C'était tranquille, smooth, ça passe. Mais 5, hein. Ça passera peut-être avec l'électrique, hein. 5 mètres, après, c'est. Le problème c'est qu'il n'y a pas de réception en fait. C'est comme avec le vélo. S'il y avait une réception ça irait bien. Mais là, arriver à plat. Oh là là, ça cogne en bas. La pauvre moto là avec mes 80 kilos. Un peu comme tout à l'heure. Allez, banzai. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, je me suis chié d'accélérer mais je crois que j'ai touché là. Ça a touché ou pas? Ouais, je crois. T'as vraiment reposé la fin de ton pneu. Ah, je commence à avoir peur de prendre vraiment de la vitesse là. Normal. En plus j'ai mon bras blessé là qui me tire à chaque récepte. Et j'ai l'impression que mes... Tellement je m'écrase en bas. J'ai l'impression que j'ai mes pieds qui touchent le sol. Oh t'es là encore, t'inquiète. Ça fait déjà pas mal 5 mètres hein. Bah, on dira 4 mètres 90 du coup. 4 mètres 90. Voilà pour... Je l'accepte. Un mètre, c'est validé. Place à l'électrique alors. Bon, par contre, celle-là, elle a tellement de peps, à mon avis, il y a un mètre. Ça sert à rien, limite, tu pars à l'arrêt devant. Elle va te catapulter, regarde, tu y vas en mode pépère. Bon. Oh, en vrai, c'est large. J'ai failli mourir. Eh, le par l'avant, il était pas loin, hein. Ouais. Ce premier, t'as fait une carwen, quoi. Ah ouais. Là, je suis allé en mode, ouais, je vais mettre petit gaz, vous allez voir, pas besoin d'élan. Et en fait, non, je me suis fait peur. C'est horrible, les deux motos sur les sauts ne se comportent pas. Ah non, pas, pas pareil. Celle-là, elle est beaucoup plus légère. Et la suspension avant, enfin, le poids de l'avant, déjà, à peine tu fais une petite compression, elle part. Hop, 2 mètres. Ici aussi, 2 mètres. Gaz, 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 gaz. Voilà, les 2 mètres. Les 2 mètres, ils sont validés. T'as vu, je me suis mis en mode mindset, je le passe. Voilà, faut le passer, là, t'étais large. 2 mètres et demi, ça passait, là. Est-ce qu'on tente un coup, le 2 mètres et demi? Ah. Tant que je suis un peu... Tu veux le suspense? Allez, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Là, il le sait pas, mais il y a 3 mètres. Comme tout à l'heure. S'il passe là, la thermique sera plus performante en saut pour lui. C'est maintenant ou jamais. Allez, il est énervé, là, ça se voit, là. Oui, ah, ça touche encore, Piki, il manquait pas grand chose. Du coup, ça sera égalité thermique, électrique pour Kerwan. Allez, 4 mètres, c'est parti. Waouh, oui. Là, c'était smooth, là. Là, il est large. Là, je me sentais bien dans les airs. C'était large, c'était ouais, là, plus que là. T'es bien équilibré, j'étais content, là. Ok, 5 mètres, alors. Voilà. Ah là c'est passé là, là j'ai fait un bunny up compression là. S'il me dit que je l'ai touché c'est pas possible. Au début je croyais que ça c'était ta marque. Ta marque elle est là. What?
Non, c'est la roue avant, ça, peut-être. Ah non, non, premier degré, elle est là. Tu t'es envolé. Ah ouais, j'ai fait Spider-Man là, ouais, Batman. En fait, j'ai fait vraiment une compression en bas et ça a tout changé. Mais alors là, bah mets les 6 mètres hein. 6 mètres, bah tu les passes. En fait, j'ai tellement pas de notion, je me dis ça en vélo, c'est impossible de le faire. Allez, on peut le faire. Mais rendez-vous compte juste de la longueur. Regardez qu'on est au saut, tellement c'est loin. C'est tout ça. Ça peut être très dangereux. En plus, vous voyez mon phare là. Ça veut dire qu'il commence vraiment à faire nuit. Là, je suis avec un masque teinté, je vois rien du tout. Pour le saut de 6 mètres, 3, 2, 1. Banzai. Allez. Je sens que ma cicatrice, elle a pété. Il va me dire que j'ai touché, je suis sûr. Non, je peux pas le refaire. Je peux pas le refaire. J'ai tellement mal au bras. Si je te dis que t'es passé large après. Ah ouais, bah ça me va très bien moi. La rerun est gagnante là. Ah ouais. Ah ouais, clairement. À ce point là t'es arrivé vers là. Oh, champion du monde. Après je vais sauter par dessus ta moto là. J'ai quelque chose à proposer, moi si je le fais. Ouais ouais, pas de soucis hein. Non non, j'ai que le seul mec. Ça peut faire de la vue, vas-y. Dégage. Vas-y, tu peux le faire. 3, 2, 1. Let's go, pensez à vous abonner. Petite vidéo. Oh, ça tape. Abonnez-vous les gars.